Hello? Hello? Simone. ...20h30 précise. J'entre chez l'anglaise. Mon cœur bat la chamade. Je ne suis pas vraiment dans mon assiette. I am not really in my plate. Ce soir, messieurs, dames, 16 ans, 9 mois et 26 jours. Eh bien, je couche pour la première fois de ma vie. Et je commence à comprendre ce que ressentaient les petits gars du Milwaukee ou du Wisconsin en arrivant au Vietnam. Ma coquette Jean-Claude et moi, nous sommes tapis dans l'ombre. Préservatif au canon. L'ennemi est dans la salle de bain. Tout à coup, j'ai peur. Le doute m'habite. Ma coquette est calme, concentrée, inébranlable. Elle regarde le sol comme un parachutiste avant son premier saut sur Saïgon. Fox, bravo, ici, bambou qui plie. Demande renfort immédiatement, je répète, ici, bambou qui plie. Tout à coup, il fait sombre, ma caquette est tremblante. Moi aussi, je goûte. Sommes-nous de taille? 21h19, l'ennemi sort de la salle de bain, en tenue de combat, entièrement nu, camouflage d'été. L'endroit apparaît touffu et marécageux. Ça sent la mort. La cartouche est dans le chargeur. Jean-Claude est au garde-à-vous, c'est une quéquette d'élite. Sergent Jean-Claude, feu à volonté! Après 30 secondes de combat acharné, l'ennemi s'est rendu dans un râle crépitant. Je suis un homme. Merci, Simone. Bravo. Dans les années qui ont suivi, Jean-Claude et moi, nous sommes devenus des mercenaires de l'amour. Nous opérions cagoulés, la plupart du temps par frappe chirurgicale. Combien de fois m'est-il arrivé de rentrer à la base sans même savoir sur qui j'avais tiré? C'est moche, la guerre. Vivement l'amour!